Voilà, chers compatriotes, je commence d'abord par m'excuser, parce que je vais commencer à 20h. Ben, finalement, il est 21h, donc 1 heure de retard. C'est tout simplement parce que j'avais une réunion, donc avec une réunion à Bandeko. Il fallait qu'on fasse aussi le point sur la situation. Et depuis hier qu'on ne fait que des réunions, on ne fait que travailler pour nous avoir une solution. Ça fait bien depuis un certain temps où on a aussi la directe. C'est pas parce que dans un macambo, mais c'est tout simplement parce qu'on est en train de travailler. C'est parce que aussi il fallait tous attendre pour qu'on ait un peu situation en Mboka, puis qu'on ait une réponse dans macambo Mboka pour que qu'on ait la négine Mboka. Ce qui justifie aussi l'absence d'Abisso sur les réseaux sociaux. Mais quand cela ne tient, nous avons des amis, des compatriotes, autres travailleurs à Canada, des patriotes, si vous faut le dire ainsi, très présents. Zoro Bilel, Hippo Aïsa, Jenny, qui essayent d'aborder, qui essayent de faire le point et avec qui nous travaillons ensemble. Ok, Bazo Leka, pour éclairer la lanterne sur les situations en Boka. Et on a tous suivi hier, exposé à Zoro, exposé à Hippo, et puis exposé à Bandeko et Bélé, Oyoyo, évoqué pour essayer un peu de décortiquer. Ce qui se passe, salut maman Chilo, j'espère que tu vas bien, on va bien. Il fallait aussi toi quoi intervenir les lots dans le même ordre d'idée pour tirer un peu sur le comprendre un peu parce que confusion et salami. On a suivi aussi dans les réseaux sociaux tout ça hier après le discours il y a Chilombo. On a vu comment la diaspora soi-disant résistante des Bazala qui a emballé. Parce que c'est une maturité, ou parce que, dans le sens qu'on maîtrisait le discours politique, ou parce que les gens n'ont plus de réponses, n'ont plus de solutions, et ils pensent que Félix a porté des solutions dans le Makamba Congo. Ceux qui l'ont hier ont cru dans le discours, il y a Tshilombo, c'est parce que, dans la réponse, t'es, parce que, a perdu, parce que, dans l'espoir, t'es, dans l'avenir, il y a Congo, l'avenir, il y a Congo, comme il sombre. Il faut tout le blanc, oui. Et à venir à Congo est commis sombre. Mais commis sombre, pourquoi? Parce que l'espoir, tout ça, qui met sur Kabila, qui est Congo est Kobonga. Beaucoup ont cru, dans le départ, il y a Kabila, pour que les choses aient qu'un déliboso. Mais les lots, en réalité, Kolongo, il y a Kabila, il y a Kitswana Bokonzi. Pas il y a pouvoir, il y a Kitswana Bokonzi. Beaucoup ont cru. Beaucoup avec nous, jusque-là, il y a qu'au combattre. Et on voit un certain monsieur Tchakouda qui se prétend être le père de la résistance. Dans la déclaration, non, c'est son choix tribal, il y a qu'au région de Tshilombo. Parce qu'il n'y a pas de raison, oh, et pousseau hier au fingi Tshilombo, oh, et pousseau hier au fingi moi si à Tshilombo, ok, ok, ne soutenir Tshilombo, n'est-ce pas comment tu es si Tshilombo Sali. Ce que Zali, dans la logique, il y a ma ramification tribale, les gens n'arriveront pas à comprendre. Parce que discours na yo Tchakoudia, na discours ya Tshilombo, c'est croisé t'es. À part Makila, ça a sauvé Toutani. Et qu'on faire croire t'es que la diaspora, ça qu'on soutenir Tshilombo. Non. Ceux qui ont soutenir Tshilombo parce que on a Moulouba, parce qu'on a Moutatribi, parce qu'on a la Chouette, parce qu'appel général de Salami na Balouba, tout le monde qui est derrière Tshilombo. Bon, personne image à la diaspora t'es. La diaspora est intacte. La diaspora patriote, la diaspora résistante, la diaspora de la valeur juste, et Ningani. Bazara toujours stable, Tozara toujours stable, Tobujarate. Yango y a pour expliquer un peu, pour comprendre, il ne se passe rien, il n'y a rien. Bande na juridisme, na débat, parce que je veux rester politique, je veux rester patriote, je veux rester congolais, pour que Bandeko, to luka, to comprendre. N'est-ce pas qu'on s'en a pour que ma caméra ait bougé? Et parce que, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu hier, ce qu'on voit depuis un certain temps, on ne peut plus laisser ça et continuer la vie à ma Congolais. Le peuple congolais souffre. Et il y a la misère quand il habite sur ma Congolais. Est-ce que, tu continues à accepter misère au peuple, par exemple, pour vivre les lots? Tu continues à accepter la manière dont le pays est en train d'être géré par Tshilombo. Donc, continuez pour accepter des groupes moraux, il y a les talibans, les Kangakongo en otage, les va instaurer dictature au Bunda pour la défendre.
Est-ce que Bisto continue à accepter? Nous avons combattu Kabila, n'a pas volé Nyon surtout. N'a qu'à de la résistance parce que c'est un étranger, parce qu'il a travaillé pour un ennemi. Aussi, il a instauré le totalitarisme. N'a qu'à de Mboka, la concentration du pouvoir de Maboko et Mutumoko. Mais ce que nous sommes en train de vivre, le Lonati, le Mozali, deux fois plus que ce qu'on a vécu avec Kabila. En si peu de temps. Et on voit toute une tribu. Comment va s'engager, comment va s'organiser, comment va s'emballer tout un peuple. N'a pas délire, n'a pas mot. Chers compatriotes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu commis agité? Pourquoi nous pensons que tu l'as basé solution? Pourquoi? Pourquoi nous avons commis qu'on croit dans le discours, y a-t-il le mot? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la diaspora ou est la résistance? La diaspora résistante. Pourquoi cette diaspora-là, hier, avec un balai, le loco moukoumi, ça tue le mot. Pourquoi? C'est que le peuple congolais est tenté de vivre les lots. Et s'il a qui, le 30 décembre 2018. Ce qui tue le mot, à ça la ka dil na kabila te, ne le lot oyoyo, toujours vivre ma kamde, toujours vivre les lots. Les scénarios de la vivre dans cette assemblée nationale, bah scénario la souffrance y a peuple congolais, bah détournement autre de vivre dans le monde. Le peuple congolais avait fait un choix. Le peuple congolais avait choisi Martin Fayulu. Et c'est le FCC qui a confisqué le pouvoir à Martin Fayulu pour apaiser un monde à Chilombo. Pour avoir intérêt à y aller. Et la misère, et la souffrance, et la crise autour de nous, vivons dans la crise de la légitimité. Parce que tu l'as conscient que le pouvoir a besoin de la été. Parce que tu l'as conscient que le pouvoir a besoin de la pouvoir à Mouyibi. Mouyibi, a Zoyiba, et le loco à Mouazaki à Mouyibi. Et le FCC, c'est dit Mouyibi, à l'ingaraba, a été, a commis perdu. Aujourd'hui, le FCC, c'est qu'il n'y a Yiba pouvoir à Pessimoutou. A comme une embarras et à éviter. C'est au FCC de récupérer le pouvoir qu'ils ont donné à Chilombo pour pas zone c'est la yango mkolo na yango. L'affrontement qu'il y a aujourd'hui. Oui, bonsoir ya Chantal. L'affrontement au de Zomona. Le débat, la tension tout le monde entre Chilombo na FCC. Et à la réelle, et à la réalité et à l'irresponsabilité. Bonsoir maman Cécile. Et à l'irresponsabilité. Il y a Kabila, il y a l'irresponsabilité, il y a FCC. Et le FCC, il faut vous tcher un mot. Bonsoir, Ndekonanga Lili. Le FCC, il faut vous tcher un mot dans Moutou Nabinoke. Vous êtes le premier responsable. Il y a crise autour de vivre un mot. Et j'en viendrai pour nous relâcher à la responsabilité à Chilom. Et ça, bino moutou, bo zui pouvoir ya mouyibi, pouvoir ya matin fayoulou, bo pesi ya mo chilombo. Et aujourd'hui, le peuple est en train de vivre, oyo yo, an a ka vivre ya mouti. Et vous avez cette responsabilité, ya koluka par tout le moyen, pouvoir o pesa ki chilombo. Bo zui récupérer ya mou, bo zongi sa ya mou pa ya peuple, bo zongi sa ya mou na balabala. Sinon, vous allez payer le prix. Sinon, vous allez payer les prix. Mais maintenant, la responsabilité de la Bino est FCC. La responsabilité de la Bino, c'est que Bino, il faut se racheter par le peuple congolais. Dans ma BO, c'est le peuple congolais. Pour voir le peuple congolais, Pessi Martin Fayou, le Bino, c'est le Pessi Yango, tu le marionnette, tu ne peux pas te faire. Et les conséquences, vous allez vivre un mot, l'élo, oyoyo, bande konangaï, et allez que, il faut bino, bozoa, ba précaution, na bino. Et aujourd'hui, la situation telle que dans la katia mboka, et à la chilombo, et à la kabila, ba boumana, ba salana, ou ba kosala, yoza congolais, ou ponaki Martin Fayulu, ou yoza kobundila bela, ou kote un mot, pourquoi? L'affrontement à Kabila na Félix etali congolais té le peuple kinois boko ko bimalibanda té parce que tu l'ombe singi no bimalibanda boko bimalibanda ce qui Martin Fayulu
asengi bino bima libanda parce que c'est lui qui incarne la volonté populaire, c'est lui qui incarne le choix ya peuple oyo bino popona ki, c'est Martin Fayulu. Et aujourd'hui et ça opportun te na Martin Fayulu aloba aloba nini n'ayez mon robe sto van à niveau à diaspora tu es koye bisabino, il se passe rien. Tulombo a signé l'ordonnance. Ça fait un moment que Tulombo a signé ainsi l'ordonnance. Hormis le fait que les actes à gouvernement, c'est un contre un gouvernement, il y a premier ministre. Mais il y a des pouvoirs prérogatifs, il y a président. Il y a renommé premier ministre. Il y a renommé informateur. Il y a posé un acte par ordonnance. Azali ne juge incapable ya kosala yango. Ndeko na ngai. On peut reprocher à Mobutu tout ce qu'on veut. On peut reprocher à Kabila ou à Mouze na ba président tout ba leka Congo na makambo ba lingi. Mais batra ba na iko poser ba acte juridique lorsque ba na iko voir ba décision au égard ba grande importance. Mobutu, lorsqu'il a mis en place les conseils à la consultation populaire en 1989, il avait fait ça par ordonnance présidentielle. Parce que le président de la République pose ses actes par ordonnance. Et lorsqu'il a créé la conférence nationale comme étant un cercle, un forum, il y a un Congolais qui s'est réuni, à celle-là qui a discuté, il a posé un acte. Il y a une ordonnance présidentielle portant création et la conférence nationale. Tshilombo, ou tu es dans la Kabila ka moko, lorsqu'il a créé la concertation naïana, à ce qu'on parle de l'ordonnance présidentielle, parce que le président agit par l'ordonnance. Lorsque le président agit, lorsqu'il pose un acte juridique comme ça, il y a une protection dans mon assima. Tshilombo a fait un discours, il y a aucun consulté. Tshilombo n'a pas posé un acte. Il n'a pas fait d'ordonnance créant ma consultation. Il y a le quoi moutoyer a décidé au soin d'un privé, à solina batouna privé, à vendi par les moyens de l'État, à rappeler Bino Makambo lobby. Tshilombo lobby te ke a bomi alliance na na Kabila. Tshilombo si volani na discours na a zolobake, peuple a lobby na ngaike coalition zamabe. Peuple a lobby na ngaike na sala tribunal pénal international. Peuple a lobby na ngaike na sala mais yé moko siko a lobby ni. Na nyoso peuple a lobby. Na nyoso batayamba yamba ki ba lobby na yé. Yé a lobby nini. Ako désigner un formateur. Ako désigner un formateur mukolo nini. A poser à trois ans mobile. A poser acte. Rien ne l'empêche. Ce qui n'est pas lobby que crise institutionnelle les alliés. Parce que le Parlement a besoin qu'on participe dans l'action gouvernementale, notamment lorsqu'il y a eu question d'installation à bas magistrat et à bas juge à cour constitutionnelle. Bon, excusez moi. Pourquoi quand ça dissout de Parlement? Pourquoi les lois avaient qu'on ait réussi qu'on s'enga audience, alors qu'on s'enga coûte un an ilokamba pour que azo a démission à ilokamba. Entre ce que Tshilombo dit et ce que Tshilombo fait, il y a des choses différentes. Il a fait un discours hier, c'était dimanche, on est lundi. Pourquoi désigner un formateur na yete? Ya yebi. Mais ce qui s'est passé le long de la carte à Parlement, ce que nous avons vécu, bah détruit, bah casser, bah biloko. Tout ça, pourquoi? Pour qu'on l'acquisse, qu'on matraque biso psychologiquement, qu'on l'acquisse peuple que il y a une rupture entre Kabila na Félix ou entre le FCC cache basan la problème basan la tension. Il fallait passer par là. Il fallait qu'on ait un parlement. Il fallait qu'on fasse la agitation au parlement. Mais on sait que les deux signataires, il y a coalition FCC cache. Et ali Kabila na Tshilombo bakutanaki la veille à discours, bakutanaki samedi la veille à discours na Moussa Faki bakutanaki Tshilombo yimoka tant que personne
Ils n'arrivent pas à décider. Il y a Kolobake, coalition, il y a Ye, to Dilena Kabila, Akatiang. Après Kolobayango, tu vas voir la sanga vidéo, tu es au Chilombo, à Bomi, à Kornéna Kabila. C'est quoi, yo, recepé la nani? Yo, soi-disant résistant, soi-disant yo père à résistance, soi-disant yo combattant, soi-disant yo diaspora, yo patriote. Oh, sepe la nini. Chilombo, l'oba na mounoro na bisou, que basali Dilena Kabila. Tulombo alobi na munoko na ete ke di la sagi na Kabila abomi yango. Tulombo alobi ke aosa la union sacrée oye ko sangisa tout le monde, y compris batu ya FCC. C'est le FCC qui refuse. Ce n'est pas Tulombo. C'est le FCC qui refuse. Mdeko nangai, aujourd'hui, c'est le FCC qui refuse. Mais le FCC, il ne faut pas qu'il n'ait jusqu'au bout d'un raisonnement là-bas. Parce que le FCC, ils ont perdu le combat politique. Ils ont perdu le combat, il y a opinion publique. Parce que Tulombo a joué sur la psychologie à ba Congolais. Tulombo, ba Taliban ont joué sur la psychologie à diaspora. Et nous sommes très peu encore, il y a qu'on résister. Je vous dis que nous sommes très peu. Bisous dans le combat fédéré. Tous alliés. Parce que nous maîtrisons, parce que nous comprenons les choses, parce que nous sommes dans la démarche, il y a au continuer côté les mises à peuple. Mais nous sommes très peu. Beaucoup ont babeta qui tolo, beaucoup ont babundisa qui biso, les lo bangoutu ba koi na mutambo ya Tulombo. Tous ces gens-là, on a février, mars, nous critiquaient à gauche et à droite. Ils ont soutenu la consultation, il y a Tulombo. Ils ont cru que après consultation, il y aura des retombées, il y aura. Action ou éco sala qui bango bako sala l'aise. Tout le monde y en voit. Mais par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui dans le parlement, je pense que pouvoir est en balabala. Je pense que l'anarchie est côté de la tchambo canabiso. Et anarchie, on a d'accord aussi les samouins d'accord armés. Bien sûr, le peuple sortira dans la rue. Mais ceux qui sont armés, à l'obique, à ko kota na je, oh, tu l'omaza ko sa la yangote, ya ko déstabiliser, ya ko louka. Parce que, mande konangai, certains me diront, oui, l'armée est un féodé. Na politique est un féodé. Na ba institution est un féodé. Na tu l'omaza un féodé. Tu l'ombo na goma, il nous a dit que, à ko sa la ordonnance, oh, et quoi empêcher installation, y a commune, on a miné, bon, à ça, là, y a un outil de loter. Alors, on a bien, on a retiré commission, oh, et quoi ça, là, pour pas louper la solution, à ça, là, y a un outil. Parce que, Minembwe, Ezali, sous contrôle, y a ba Rwandais. Et le fait que lui, il est lié avec le Rwanda, il doit, à un certain moment, à jouer sur des mots, à jouer sur la psychologie à ba Congolais. Tulombo a dit que, bo sengi a sa la tribunal pénal international, bo sengi a parlé sur des rapports à mapping, a parlé sur ma crime et salama. Tulombo n'a pas dit qu'il va le faire. Tulombo n'a pas dit qu'il va le faire. Tulombo a dit que, n'a qu'on nommé un formateur, a nommé un homme colonini. Ce qui, il le kamba longwe, ou à renforcer la main. À corrompre ma député pour pas faire anime. Pour pas quoi ça, Janine Mabunda, et si ma barre majorité, et il pense que l'on a Janine Mabunda, et qu'on a la majorité dans le parlementaire. Là, c'est une réalité. Mais moi, je pense que l'élo oyoyo, on ne peut plus permettre ma institution, où ils ont la carte à Congo, et à fonctionner. Y compris l'institution présidente de la République. Parce que moi, comme un otage, moi, je suis un otage. Depuis un certain moment, Tulombo a bloqué de manière unilatérale le fonctionnement de l'institution, du gouvernement, bloquant le conseil des ministres, c'est ça la massoute. Ça veut dire que Mboka est comme paralysé. Mboka, bah, j'ai rarement souté. Mboka est à rassurer l'institution, moi, je fonctionne normalement. Et maintenant, on voit les gens rentrent au Parlement détruire le symbole Yamboka. Au-delà du fait qu'on peut critiquer, dire que oui, mais le mur, ce sont des murs institutionnels.
Là, bah, c'est mal, y a mboka. Même si bateau bah, dans la carte, bah, qu'on fonctionne, bah, qu'on travaille de manière illégale parce que le peuple a voté et bangoté. Mais ça reste des institutions de la République. Et on ne doit pas permettre à ce que Moutumoka Yaka a paralysé l'appareil de l'État pour avoir un intérêt égoïste et personnel. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à peuple congolais. Et c'est là où l'armée, je dis, c'est là où l'armée, je ne sais pas quelle armée. Lorsque je parle de l'armée, je parle de l'armée de manière générale. Mais c'est l'armée qui doit intervenir. Et aujourd'hui, ce qui l'armée à intervenir à Bengani Chilombo, dans le pouvoir, t'obéte la armée en Amaboko. Et je pense que la solution, tout ça, la solution, il y a armée. Parce que le peuple wana le lo a ko bimanae. Mais ce qui peuple wana bimi, ce qui armé a zana peuple te. Ce qui armé à comprendre ba en jeté, ya moka o te. Ils vont marcher sur le peuple qui va sortir dans la rue. Et moi j'encourage le président élu Martin Fayulu à lobaté. Nenge ba ndeko belé ba zoko encourager. Nenge paye mon père ça comprendre ka ko lobaté pour en lobani na 20 na inye. Donc le peuple sika bozali Tozana mar, tozali na Fayulu. Biso peuple, tozana choix na biso ezala ki Fayulu. Biso peuple topona ki Fayulu parce que yene mutu ezala ki na capacité intellectuelle. Yene ezala ki na capacité politique ya reconstruire mboka na biso. Lui il était préparé pour gouverner, pour diriger le Congo. Ce n'est pas Chilombo. De par éducation scolaire naïe ou politique naïe, à ça c'est seulement dans ma bagage, t'es pas t'as dirigé Mboka. Et nous sommes en train de voir la manière dont Chilombo gère le pays. Et il est devenu ce qu'il est grâce à Kabila, grâce au FCC. Et il y a la responsabilité, la FCC, pour ça la responsabilité morale, il y a déstabilisation, il y a l'institution, les lots. Nemi Mwilanya, bosa la ba déclaration, bosa la o Kabila Roloba. O, boye bakayango, boza na responsabilité morale. So ki bino bo bundite pona ko kwe sa chilombote. Boye bakayango, vous allez payer cher au peuple devant le peuple congolais. Donc, le FCC, Kabila et la Kabili, vous avez la responsabilité morale et politique. Dans la situation, parce que vous avez pris le pouvoir de Fayulu, vous l'avez donné à Chilombo. Et il vous appartient à vous, le FCC, Kabila et la Kabylie, de renverser le pouvoir de Chilombo. Parce qu'il y a des éléments de preuve que Chilombo a gagné l'élection. Il y a des éléments de preuve que Chilombo a violé Mibeko ya Mboka. Il y a des éléments de preuve que Chilombo a violé la constitution, a bafoué l'institution et a sakana na ba intérêt commun. Il vous appartient à vous, le FCC. Obo zalaki na manette. Oh, bon, c'est là qui organisation pour na ko tcha Félix na pouvoir. Bon, luka ba moyen nin o bo ko luka pour bo ko isayé. Bon, luka ba moyen tout o bo zong sa pouvoir ya peuple na maboka na e. Votre temps est arrivé, bon, comme na souka. Si le 31 décembre, ceux qui vont réagir, on ne parlera pas de FCC. Et le pouvoir où ils ont en place, c'est défendre les intérêts à Congo. Peut-être qu'on défend les intérêts à Congo. Parce que ceux qui tuent l'ombo avaient l'intérêt à Congo. Ceux qui tuent l'ombo voulaient réellement que les Congolais qui ne liboso, en a qui réellement que les Congolais vont ensemble, en a organisé le dialogue. Ceux qui tuent l'ombo, en a qui réellement que le peuple congolais bas en a bon moko, n'en a l'obi qu'à ceux qui majorité parlementaire, en a qu'à dissoudre le parlement. Parce qu'il a dit qu'il avait tous les moyens. Parce qu'il a dit qu'il y a une crise persistante entre l'institution gouvernement et l'institution parlement. Il a dit, il a donné un exemple. Pourquoi à que jusqu'au bout il y a logique n'a été à ce qui n'en là. Pourquoi il veut se contenter y a qu'on crée qu'on nomme un formateur. Ce qui est formateur on a bimis quoi il y a bien sûr que majorité va FCC ou ça la nine. Heureusement c'est la majorité FCC pouvoir na bango. Au dissous des parlements. Au moment où on a petit sorcier, un petit dictateur, maintenant on va continuer à causer là, à venir à ba Congolais, via ba Congolais et dépendre de la moutou moko. Lelo, na sali exposé, oyoyo,
n'avons qu'on s'est limité, n'avons qu'on survolé mes propos, n'a aucun temps à profondeur. C'est pas parce que dans un macamba goulobaté, mais parce que c'est pas le moment. N'a aucun temps à bas détails techniques, y a macamba na ligne na loba. Tant macamba ezali koleka, mais je pense que le congo na lobby lelo, FCC sika bazali, ba yeba kayangoke. Ils ont la responsabilité morale, ils ont la responsabilité politique dans la situation dans laquelle on est au Congo. Et il y a que eux, oh bah vanifi tulombo, place wana ne bah repoye sa tulombo pour dire au peuple congolais que pouvoir on est allé qui a yété, pouvoir au tulombo zana on est allé à yété, pouvoir on est allé à Martin Fayulu. C'est le FCC. Le FCC seul qui va mener ce combat là. C'est le FCC seul qui va aujourd'hui faire en sorte que pouvoir il y a peuple congolais bas donc ce peuple congolais na ma beaucoup un peuple ceux qui balingi bas doit pardonner un peuple congolais, ils doivent rendre le pouvoir à un peuple congolais. Nous n'allons pas appeler le peuple congolais bima à que nous bouka à que nous panza toi à que nous défendre quand contre notre nom. Le peuple congolais vous vanda Banakin, ba congolais bota la Kabila na Félix et n'est pas au bomana et talibi sauté. Bana changu, bangala, pouvoir oyo vivre, et a pouvoir oyo so tali na composition, et dans la cabinet ya président, et dans la gouvernement, yo mungalo oyo se retrouve te. Congo oyo zali mutualisation, y a quatre pôles linguistiques. Là je parle direct. Non, mache ba moti. La configuration, oyo tout ça na moins institutionnel à l'élo, so ke na présidence, au monde la balouba. So aucun gouvernement bateau il est prêt à tirer na carte là bas luba donc yo mungala na gouvernement oyo zate yo mungala ba ya ko exploiter yote pour na ba intérêt à tribu mobe pour na famille mobe. Je parle en connaissance de cause. Mukongo na gouvernement o azo se retrouver te yo mukongo aucun ko kufa pour na pouvoir ya tribu ba luba te. C'est ça la réalité, parce qu'on a vu tout le monde, tous les baluba soutenir Félix. Ndeko nangai na fingi te na za contre ya tribu mon côté. Je dis ce que nous vivons. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et n'en a pas contre moi, tu sais, parce que j'ai des neveux à Balouba, j'ai des amis à Balouba, j'ai des nièces à Balouba. Tout bas, n'en a Balouba, tout ça, bah, à Balouba. Mais c'est ça la réalité. Et lorsqu'on suit les déclarations, il y a militants, il y a UDPS, au Bazo Koloba, ça donne l'impression que l'UDPS, c'est une démarche, c'est un combat tribal pour contenir pouvoir tribal Mokoboye. Et ça ne concerne pas le Congo. Donc, les lo, oh, 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 il n'y a pas l'intérêt national, il n'y a pas l'intérêt commun. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, la démarche à pouvoir à Tulombo. Mes amis, les Balouba, je ne suis pas contre vous. Mes neveux, mes nièces à Balouba, mes belles-sœurs, tout ça, n'a pas contre Binoté. Mais c'est un fait. On doit évoquer un mot par rapport à la réalité. Pour que les gens comprennent. Bitumba oyo yo ke ne ko kufela muntu za ko bundela pouvoir attribuer na été tika muta muta bundela ni na ye. Lorsqu'on a fait le choix de soutenir Martin Fayulu, on a soutenu parce que c'était le choix du peuple congolais. Ya bangala, ya baluba, ya baswahili, na ya bakongo. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes dans une démarche où c'est une tribu qui se bat pour à préserver un pouvoir. Et nous n'allons pas soutenir un pouvoir où il veut fonctionner dans l'esprit tribal. Total, on ne peut pas s'effondrer. Et on voit d'autre part comment Bazaliko Kanga, Bandeko, Baliko acquise d'être des Baswahili. Parce qu'on imagine que ce sont les Baswahili qui ont donné le pouvoir à Balouba pour qu'elle va garder le pouvoir. On a vu le militant de l'IDPS qui deviennent aujourd'hui des militaires, bah, qui ne kanga, des Congolais, bah, qui ont acquis, bah, ou aliba swahili, bah, aliba tout, bah, ou zamindu, qui peut pas que le kabasala, bah, ou mabe. Un mouluba, a ou kanga swahili. Donc, on a mon ake, moutou, na discours, na bango, et longwe na makamou yaba Congolais, comme ma maba swahili. On va appeler les chats par son nom. Lorsque vous vous comportez dans la logique tribale, on va vous appeler, on va amener les choses dans les débats, dans la logique à la tribu, pour que les gens comprennent. Yo mungala, ngana mungala, yo mungala, makambo bitumba oya kabila na tulombo, etali yote. Yo mukongo, makambo ya pouvoir oya tulombo na kabila etali yote. Ba obomana, ba omibale, tchoki ba bomani, maintenant nous le peuple,
Toko vanda na ba luba ba Congo ba bangala ba Swahili. Toko tala nene toko construire nation parce que la nation a été détruite. La nation congolaise n'existe pas. Nous sommes devant un pouvoir tribal, devant une tribu qui veut s'imposer devant le Congolais, qui veut marcher sur les autres Congolais. Et on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas être hypocrite jusqu'à ce point-là. Moi, je le dis parce que ce sont des choses qui sont vraies, qui sont au vu et au su de tout le monde, au monde en haut. Bandeko ba préféré ba pe sa place na Rwanda, mais na Muluba, na Mungala te, na Muswahili te, na Mukongo te. Il donne la place aux Rwandais. Yolobi ke yozolinga union sacrée. Pour faire l'union sacrée, il faut dialoguer avec les gens. Il faut te mettre autour d'une table. Na ba Congolais. Oyoyate ko yo tchorge yo vandi, tu reçois des gens comme un médecin, oyoki ba via ba tout simolobi ke na sa l'union sacrée. La diaspora, l'union sacrée ne passera pas. L'union sacrée passera. Pour la ko bengana, pouvoir yamouyibi, oh, tu l'ombazana yango, na moutou apé ça qui est pouvoir. Parce que aujourd'hui, la Kabylie, le FCC, c'est ce qui bo bengani tu l'ombote. Ce qui bino, bo botoli pouvoir, bo pesa ki tu l'ombote, pour qu'on zonche dans mon peuple. Toko bengana na tu l'ombona bino. Vous avez la responsabilité devant l'histoire. Le FCC, vous avez la responsabilité devant l'histoire. Ce qui bino mo déstabiliser tu le moto obete la bino maboko parce que ezali pouvoir mouyibi bino mo pese qui est botoli yango. Bo kanisa te que ce qui bino bata FCC boke ko attaquer tu le moto au côté la tu le moto au côté la tu le moté. Na loba vidéo on a sali yango, na sali yango pona sepelisa mutu te. Na sali yango pour la partisan en moutouté. Na sali yango, parce que je suis un Congolais, na sa révolté, je suis en colère, je suis énervé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et je vois l'armée en train de regarder, je vois l'armée laisser des civils, ba ke ne ko toucher ba symbole yamboka, sans que l'armée intervienne. Martin Fayulu a fait la manifestation, ba marche autorisée, on voit le même militaire aller détruire ba pna voiture, ko beta ko gavé ba tout. Mais on voit des individus rentrer dans ba institution mboka, en train de toucher le pouvoir symbole yamboka, le parlement, ko buka ba kitu, tout le monde policier mongo te ke ne ko bunda. Tout le monde est policier, mon côté qui n'est qu'un gabatou. Pourquoi? Parce que le ministre de l'Intérieur est de l'UDPS. Parce que le ministre de l'Intérieur est Moulouba. Parce que le ministre de l'Intérieur est de l'UDPS. Parce que le pouvoir, on est qu'on défendre une tribu. Mais lorsque Martin Fayulu a organisé une manifestation pacifique pour dénoncer contre l'occupation, il y a Minembwe. On envoie des militaires pour aller détruire la voiture, on envoie des militaires pour pas qu'ils ne déstabiliser. Mais on voit des gens descendre, détruire le symbole Yamboka, détruire l'institution Yamboka. L'armée est incapable, la police est incapable d'agir. Et là, vous voulez que Bisso, tout quand on a mis Bisso, tout à la Bino, tout soutenir Bino, la démarche na Bino, tant que vous avez gazé la population, vous avez dit qu'ils ne défendent ma belle à Congo. Parce que Martin Fayulu, je pense pas qu'il soit Mouswahili. Mais qu'il n'a esprit patriotique à Zanengou. En tant que Congolais, il a voulu défendre la patrie. A organisé une manifestation pour la solidarité. Il y a des millions de morts congolais. À l'ESO, à Koukoufa, parce qu'ils sont Congolais. Yo, pouvoir na yo. Ministre na yo, il y a intérieur. Atindi Batu. Bakke ne ko gazé Batu. Bakke ne ko tiré Batu à bout portant. Bakke ne ko boma Batu à bout portant. Et on voit un coup d'état institutionnel dans le Parlement. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est un coup d'état. Ce qu'on a vécu aujourd'hui dans le Parlement, c'est plus que le discours il y a Tulombo, le discours sanguinaire il y a Tulombo. Où ils allaient pousser la situation à Kaona Katiamboka. Abandi le discours et incitation de l'OTE. Abandi en mot depuis un certain temps. Mais il est plus que temps pour que l'armée a remettre de l'ordre. Armée en vrai n'est un faux bazar raté. Nakati a armée, il y a des infiltrés, on me dira, je dirais oui. Nakati a armée, ils en ont infiltré, ils en ont des Rwandais, des Tutsis,
qui sont au service de l'ennemi, mais il y a aussi des Congolais. Il y a aussi des braves Congolais, il y a aussi des patriotes Congolais. Oh, peu bakoko tellement mal que non, on ne peut plus accepter cette dictature aux alliés qu'on s'instaurait dans le Congo. Oh, que la police, et comme la police politique, et ça prendra kaka, na batu, oh, 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 basan na ko partager vision à Tulomoté. La police aujourd'hui est commis au service, il y a pouvoir d'un parti, d'un individu. On voit les policiers entourés, protégés. Jean-Marc Kaboul qui est en train de détruire, saccager les symboles de la République. Et c'est le parti au pouvoir qui le fait. Et tout ça, c'est parce que la Kabylie, c'est parce que Kabila a pris le pouvoir à Pessaïmouna Maboko, ya Tshilombo. Et voilà la conséquence, il y a pouvoir, il y a mouyibi. Oh, bino bokenaye ko yiba, bo pesi mouyibi. Mouyibi pa yibi bino. Bobo mana. Peuple congolais, ceux qui m'assassent, betamina kin, botala. Ceux qui l'ont relié, vate, bokene ko pied. Parce qu'aujourd'hui, tous ces grands chekouleurs, il y a Bruxelles, bazana katia kin, c'est eux qui jouent avec l'argent de l'État. C'est eux qui aujourd'hui construisent, puis font des magasins. Ceux qui bo komins alele, qui bo bouka bo pied. Il y a que ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut que vous encourager, peuple congolais, il y a Kotala, il y a Kotala Bitumba Ote, il y a Kotika Bangoba Bumanati Nasuka. Ce qui Bangoba Bumanati Nasuka, il y a peuple Kotele, ma pona rejoint pouvoir na yo. Tshilombo n'est pas avec nous. Tshilombo ne se bat pas pour l'intérêt des Congolais. Tshilombo ne se bat pas pour nous. Tshilombo se bat pour son nom, pour sa famille, pour son clan, pour sa tribu, pour ses amis. Et là, quand il faut que tu aies un mutu na biso. Et là, quand il faut que tu aies un mutu na biso. Moi, j'ai envie de vous dire que tu en as besoin, donc n'est qu'à na kaomba la mort. Il faut que le militaire et ça la manenge ça la marque le 24 novembre 1965. Mobutu a tellement eu pouvoir à mettre tout le monde par terre et à Mekiko redresser Mboka dans la configuration à l'élo. Et qu'au Senga, une transition. Sans Kabila, une transition. Sans Tshilombo, on réfléchira sur comment construire l'univers avec des propositions sorties des crises aux Ezali. Et c'est la solution. Attends, il n'y a pas mieux que la proposition de sortie des crises à Martin Fayoulou. Même ce qu'on l'ingi, beaucoup la tête, beaucoup la tête. Ce qui est Tshilombo, aux joies qui va proposer à sortir des crises à Martin Fayoulou, on mettre un mot sur la table. Attends, tout va mieux, tout ira mieux automatiquement, naturellement. Les choses vont se faire tout seul. Tout seul, ce Bolingi. Donc, le résumé, il y a discours, on a besoin de lire l'élo, il y a message, on a besoin de lire l'élo. Nava analyste était, je ne suis pas là pour faire des analyses, Nava éditorialiste était. Pour la salle là-bas, édito sur, non. Mais nous avons relaté les faits, nous avons relaté Bino, Nabimi, brièvement, pour que nous rappelions la bande qu'on a dit que Bitouma, autre Zali, qu'on vivre les lots, et ça est vrai, et ça est faux, Botika Bangoba Bomana. Botika FCC, Bata Pepper, Dena IDPS, Bomana. Bana Tchangou, Bovana Nye, bana kauka bana kimbo vana nye botika bango ba bomana bango mibale eza pouvoir ya muyibi Kabila a yibi pouvoir Martin Fayoulou a pesi ya Tshilombo et lokola lokoso ya Tshilombo azalaka na nga tondite akomoluka ndenge nini nalia koleka muninga do muyibi alinga yiba muninga muyibi palinga ba yiba etale bani kobuna botika bango ba bomana. Botika bango ba bomana. Et je tiens à dire au FCC, Lelo Oyo, vous êtes responsable numéro un. Il y a crise institutionnelle au Salami Lelo. Parce que Binobo Mona qui peut yeba qui caractère ya Tshilombo. Et puis Binobo Tiki situation est persistée. Et puis Binobo Rosalaba responsable numéro un. Parce que vous ne voulez pas mettre fin à la crise Oyo, Binobo Yebi ba tenana ba boutissana yango. Bo yebi origine ya crise oyo. Bo yebi ke crise oyo ali crise ya légitimité. Bo yebi aujourd'hui tu le mazali ko manke bino parce que yebi ke pouvoir réserver un moyibi bino pour ba miyibi bo yiba ki donc bino no ba miyibi wali ko bomana. Bo bomana. Muta ko beta li boson de muta ko gagner.
Oya ko boma Chilombo, to beteli maboko. Oya ko boma Kabila, to beteli maboko. Mais na Kabila, na Chilombo, vous n'êtes pas avec le peuple, vous n'êtes pas avec nous et nous ne serons jamais ensemble. Ceux qui te rosent ensemble, et rosent là parce que on n'a pas de choix, parce que il y a une obligation patriotique et salique, bah, congolais, tout va vendre, bah, construit. Mais te rosent là, na adhésion t'es. Et rosent là par adhésion t'es. Et rosent là par l'obligation patriotique. Botcha, y'a un mot, tout n'abino. Ceux qui vont moni biso lobby, na table, te vendre na X ou Y, et rosent là par adhésion t'es. Ça ne sera pas par adhésion. Et rosent là par obligation patriotique. Na kombo ya mabele pour l'intérêt ya Congo, pour na rapport de force nenge zali et c'est une kaza la ndengwa et rosala mabongo, mais rosala par adhésion té. Et je demande au peuple congolais bo adhérer jamais na logique ya Chilombo, bo adhérer jamais na union sacrée parce que et ali na intérêt ya Congo té, et ali na intérêt ya ko vendre ça pouvoir moko tribal, ko vendre ça pouvoir moko clanique, ko vendre ça une oligarchie familiale et contenir ko dominer peuple congolais. On a vu ma forme à ma domination. On a vu ce qui se passe aujourd'hui dans le Parlement. On a vu ce qui s'est passé dernièrement lorsque le président élu Martin Fayulu a demandé au peuple congolais de soutenir Bandeko dans l'Est. Ils ont envoyé la police aller tirer, aller détruire Bandeko et Bélé. Mais aujourd'hui, on a vu la même police. Oui, Bounissa qui Martin Fayulu, lorsqu'il est parti défendre la patrie. Mais la même police de Moni en haut, dans le Parlement, ils veulent accompagner Jean-Marc Kabou pour détruire le symbole de la République, pour faire un coup d'état institutionnel dans le Parlement. Mais là, lorsqu'on regarde ça, et vous voulez que Bissot doit applaudir, au-delà du fait qu'on ne partage pas la même vision avec Chilombo, au-delà du fait que nous sommes pas avec eux, mais cela ne nous empêche pas, nous, en tant que Congolais, lorsque le symbole de Yambo Kanabiso est touché par un groupe de gens, par une oligarchie, par un certain nombre de batou, par la vocation de rendre le pays ou prendre le pays en otage, il faut te dénoncer en haut. Et nous disons encore une fois, la responsabilité est comble au PPRD, à Pesaki pouvoir à Fayulu, ou à Yibaki pouvoir à Fayulu pour donner à Chilombo. Le PPRD a encore, j'ai bien dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Le ce que le FCC a avoué faute naïe et que le FCC a déstabilisé Chilombo, a destitué Chilombo pour remettre le pouvoir au peuple congolais, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et la partie, en tout cas, la faute corrigée sera oubliée. Voilà les discours n'engagent le quoi engagent ngai mais na lobby yango parce que aujourd'hui à 2 ans oh bah yibi pouvoir ya Martin Fayulu oh peuple après ça qui est nous avons vu les conséquences, nous avons vu les conséquences de la destruction, pardon, nous avons vu comment le pays aujourd'hui est en difficulté et nous pensons qu'aujourd'hui la France qui aujourd'hui joue un rôle important na Congo par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, il faut qu'on se le dise. Il y a 2 puissances où va jouer un rôle majeur dans le Congo, c'est la France et les États-Unis. Et Chilombo était avec Donald Trump. Chilombo a fait tout pour que Donald Trump ait les cas. Et Chilombo a toujours dénigré la France. Chilombo a toujours eu un comportement irrespectueux vis-à-vis de la France. Et tu as bien même la diplomatie y a Chilombo et négligeait qui la France. Sur tous les plans. Et les Français, bobo ça n'est quoi en été. Et les discours que la Chilombo a tenu depuis jusqu'à ce jour. Et dans votre posture, la sagesse et la politique française. Ok, le respect à valeur et Zalaka. Bah limite moko et Zalaka. Bah seuil moko et Zalaka bah franchi ça raté. Chilombo avait franchi à ça. Et nous pensons que la France. Il faut jouer un rôle responsable. J'attends de la France d'être responsable. J'attends de la France de regarder l'intérêt du peuple. J'attends de la France de regarder là où il y a le respect des valeurs démocratiques, des valeurs juridiques. Et c'est là que le Congo sera construit. La France est un pays de droit. Mais la France ne doit pas continuer à regarder, à observer à laisser un groupe de gens instaurer une nouvelle dictature dans le Congo.
Et je redis, je dis et je redis à la France. La démarche de soutenir Tshilombo, comme certaines diplomaties l'ont fait jusqu'à présent, c'est une démarche suicidaire. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est une démarche qui va mettre le feu au Congo, et ce feu-là, de toutes les façons, nous avons des canaux autres, message Nabiso, et cette position-là, la France connaît. Notre position, la France a bien. Mais nous allons continuer à marteler pour dire que l'air est grave. L'air est grave parce que comme la situation, la France ne sera pas en mesure de contrôler le Congo. Les États-Unis ne seront pas en mesure de contrôler le Congo. Et le pays sera déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'on est un abruti, parce qu'on a un irresponsable à la tête du pays. Il est en train de mettre le feu sans se rendre compte. Donc la France aujourd'hui, devant la réalité diplomatique, hein, il faut qu'on se le dise, il y a une situation de crise diplomatique, il y a une situation de tension aux États-Unis, ok, et à période moko il y a transition qui fait en sorte que les États-Unis ne se prononceront pas forcément sur les détails près de la réalité politique, mais la France qui est aujourd'hui bien placée peut assurer ce rôle-là. Et nous pensons que nous avons toujours été l'ami de la France. Nous avons toujours soutenu la France d'une manière... Lorsque elle prenait des bonnes positions, on avait salué le courage de la France lorsque le vote de Martin Fayulu a été volé. La France était la première pays qui a demandé à ce que la démocratie triomphe, qui a demandé à ce que la vérité des urnes soit mise sur la table. Et aujourd'hui, je pense que la France doit encore aller dans ce sens-là. La France doit continuer encore une fois à faire en sorte que attendre le peuple congolais soit aussi d'une manière respectée. On n'a pas continué à soutenir et à sauver des individus. Et Tshilombo, c'est un dangereux. Et je le dis, et je dis ça à la France, Tshilombo, c'est un mec très dangereux. Et il ne regarde que ses intérêts. Et il ne regarde pas ce qui peut être comme conséquence aujourd'hui, situation de crise était décrétée dans Katia Congo. Nous sommes face à une guerre. Et raison pour laquelle moi j'interpelle, je dis à l'armée, il faut monter les mains. L'armée, il faut tellement. L'armée doit agir. L'armée doit prendre le pouvoir. L'armée est là pour défendre la patrie. Nous avons vu l'armée malienne Nenga Telema qui pour mettre tout le monde dehors. Nous avons vu l'armée na Burkina Faso Nenga Telema qui. Nous attendons voir l'armée congolaise à Telema pour la Kobeko van satu le monde pour pandi. C'est triste. C'est regrettable de voir nos compatriotes, notre armée, regarder comment le pays est en train d'être déstabilisé. C'est triste de voir l'armée, de voir les élites congolaises regarder, laisser un individu, un clan, une tribu s'accaparer du pouvoir, chercher à déstabiliser tout un appareil de l'État au profit de l'intérêt tribal. Et je pense qu'il est plus que temps à ce que l'armée, où elle est censée être l'armée patriotique, où elle est censée défendre l'intérêt du pays, et Zoamaloba, et Bengana Tshilombo, et mettre fin à ce qui se passe aujourd'hui dans le Parlement, et mettre fin à ce qui se passe aujourd'hui dans l'institution d'Abisso. Il n'y a plus de conseil des ministres, les gens ne sont plus payés. Maï Zarasou n'a pas été couru Zarasou, Attends. Et on voit les gens applaudir Tshilombo. On voit des gens ici dans l'Ivoire, Belgique, dans Paris, sont en train d'acclamer Tshilombo. Pourquoi? Parce qu'il a fait un discours, parce qu'il a dit qu'à renommer un formateur, vous avez une définition à renommer un formateur, c'est quoi? Qu'est-ce qui a empêché Tshilombo la place à Rotonga, la saut de mouton, à développer l'agriculture? Qu'est-ce qui a empêché Tshilombo de travailler sur les sociales des Congolais? Qu'est-ce qui a empêché Tshilombo de développer l'économie solidaire? Qu'est-ce qui a empêché Tshilombo? C'est maintenant qu'il va le faire à Zambongo. Il vous dit que, mais retournons les manches, on va aller travailler. Au travail, c'est bien la budget, ni Nambongo, ni. Alors que de refaire Nambongo, Libanda, l'argent qu'il avait eu, qu'est-ce qu'il en a fait jusqu'à présent? Ils ont détourné 800 millions, 1 milliard, 400, dans ma folie, dans ma option pour un intérêt égoïste. Et maintenant, il va encore continuer à endetter le pays. Peuple congolais, Fungola Matoi. Yosa diaspora, tu vis en France.
Donc, vivre dans la démocratie, tu vis dans une république. Bon, tu as la France et Zalaka. Tu as déjà vu comme ça un président d'un parti, secrétaire général d'un parti, a yé, Kokeno Kabola, coupé sa voiture, n'a combo à moi si à président de la république. Tu as vu ça où? On fait le mélange déjà. On ne sait plus entre l'argent privé et l'argent public. On ne sait plus entre les représentants des partis politiques et les institutions de la république. Depuis quand tout ça, c'est la faute y a FCC. Et je répète encore, tout ça, c'est la faute à Kabila. Tout ça, c'est la faute à la Kabylie, il y a PPRD. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Bozali va responsable Yamakambu Oyoyo. Donc il vous appartient vous de mettre terme dans les locaux bo créaki. C'est vous qui allez créer Chilombo et binonne faut aussi ça Chilombo. Et là, sur le plan physique ou politique, on s'en moque. Vous avez la responsabilité wana bino FCC yako silisa Chilombo parce que binombo ça là qui est. Donc, Nasukiawa, la batterie est faite comme vous signalez Ngaï. Je vous ai pris peut-être une heure du temps pour excuser Ngaï. Je devais parler, je devais juste, je n'ai pas voulu en tout cas, na kende, dans le même sens, parce que Zoro a exposé, il peut exposer. Il fallait na nuancer aussi un peu, na répétition T. Raison pour laquelle, au début, je vous avais dit, je ne ferai pas du juridisme à propos de Ngaï, mais na rosa plutôt cru. Dans la plutôt la logique la démarche il y a qu'au qui s'appelle congolais il y a qu'au yep s'appelle congolais que ce qui se passe aujourd'hui est talibisoté comment peut bonga il faut tout vivre situation ezalike tout est à par terre tout bande la zéro et c'est là que nous aurons la solution tout ce qui se passe au monde en fait du pipo tout ce qui se passe aujourd'hui c'est un groupe de gens qui cherchent à récupérer le pouvoir. Il y a une nouvelle dictature qui est en train de s'installer. Une dictature tribale que nous n'allons pas permettre. C'est comme il y a un tribu comme il tourne, un tribu comme il voit même beaucoup de quatre yango. Tout ça, on a quatre fédéralismes, on avait prôné. Tu vas développer, na maïle, na bango, na intelligence, na bango, na parti, na bango. Mais na quatre, dans un grand Congo, on fait quatre pôles fédéraux et on permet à ce que Batnabatbazo développer. Comme ça, il n'y aura pas tel parti à Zawé là va pouvoir, tel parti à Zawé là pouvoir. Tout le monde va se retrouver parce que le bien-être est Rosala d'abord et qu'on servit dans l'État fédéré. Si on part dans cette démarche-là, et si on veut rester dans la logique, il y a unitarisme, il faut que toutes les communautés linguistiques se retrouvent. On ne parle pas pouvoir en Abisso. Non. Parce que le Congo est un Abissonien surtout. Donc, lorsque nous parlons un peu sur les tribus, lorsqu'on décide d'être un peu cru dans la matière à la tribu, c'est pour nuancer, pour montrer aux gens que nous ne sommes pas dupes et nous ne sommes pas d'accord avec ce que nous vivons. Il y a certains, oh, bah, aux alapètes, dans un kilo, il y a beaucoup à rouler, ma kambonga, dans le baté. Là, s'il faut dénoncer, mon gars, là, on dénoncer. S'il faut dénoncer, mon con, on dénoncer. S'il faut dénoncer, mon louba, mon soyeli, dans le salaire. S'il faut dire que, bah, louba, bah, ça, ma ben, dans le bango. Pour dire que biso bangala to sa ma bena o lobango ba kongo bo sa ma bena na o loba na o hésiter te alors ngai na sala raté pour na za hypocrite na banquité et so se pelle na ma vidéo na ngaté ma kam na o lobo se platé yo mo mi longwa kené donc on va continuer à travailler dans ce sens là on va continuer à être direct et dire la vérité et nous pensons qu'aujourd'hui les débats o ya FC cash et tali bisoté ba bomana bande ko na biso bo bomana FCC Bobanga te. Ce qui boko beta tu le moment ça si. Ce qui boko panza bino na bata ya cash. To bete la bino ma boko. Boka nsa te ke to kote la chilombo. To kote la chilombo te. Bata FCC bo yoka. Do bo za la lèze. Ce bo lingi bo beta tu le moment ça si. Ce qui bo lingi bo ke no bo mae. Ce qui yena famine. Ce qui na yi depete ba makaboun. Bo sala. Et talibi sote. Chilombo. Ce qui est pour l'ingo que nous boma Kabila, l'ingo que nous boma FCC, que nous boma Panza et Talibi sauté. L'ingo sacré aux luka, aux zoangote.
aussi ça m'a kamubana ki yomoko tant que na ko retirer signature non pour que na élection au kené na mututé lorsque tu as fait le deal avec Kabila tu étais tout seul pour na ko longwa na deal wana au longwa yomoko tu n'as pas besoin de consulter des gens tu n'as pas besoin d'être avec des gens pour yo kené ko luka au CD et mutu akozala na buzoba ya okené ko zwa a cadeau empoisonné ya okené ko zala informateur mutu ane mta okoma ibembe avant chilombo wazana mato ya koyoka ayoka soko moni chilombo akomi ko luka a nommé informateur akene ko luka mutu na ba tribu mususu akene ko luka mutu oyo ya ko décharger bitumba oyo ko pesa e parce que moni danger ta koya mutu na ko ndima responsabilité wana aye baake a ndima peli wana e donc tant ozo ko signer ozo informateur ya chilombo yebaka yango ozo na liwa ezo zela yo ye a memi ona guerre par procuration a pesi au front a pesi au bitumba yo ke ko bunda ya kangi maboko a bunda ye moko. Il n'a pas besoin de devenir informateur, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'a qu'à dissoudre l'Assemblée nationale, ce qu'il y a un garçon. Il n'a qu'à dire clairement que FCC cache et Koufi, dit le Koufi. Si c'est un garçon, il n'a qu'à dire ça. Si c'est un garçon à l'Obango. Le roi a Monique au dialogue dans ma congolaité, union sacrée pétaliété. Le roi a payé Monique et Yaza bien, ma mère mon tourne. A continuer qu'à bon bravo. Papa, Bunda, na Kabila, zoa pouvoir, va dans la tribu, na ma masse, na obolia. Tika pepe nan zalanae. Kabila, soko betae masasi, soko bomaye, soko zik sa bon nae, et talibi sauté. Et talibi sauté. Faut pas croire que ceux qui ont attaqué sur le moto balouke la yo, Kabila, to FC, to Seka, to beta maboko. Je vous dis que tu applaudis parce que binon balé comment batou moko bo batou moko. Parce que c'est Chilombo qui nous a dit que yo Kabila za mutu malamu. C'est Chilombo. Quelle des vidéos. Mais t'as trois raisons que ça va vidéo tout ana. Mutu a epse qui biso que Kabila za bien. Mouto la défendre Kabila, mouto comment qui boucler à Kabila, tchè Kabila, si ma yate emili boso, chilombo. Donc pour nous, ceux qui bo robo mana, ceux qui Kabila robo mayo, ceux qui yo robo ma Kabila et talibi sauté. Nous, le moment venu, ceux qui t'ont monique, peuple congolais, il faut récupérer pouvoir naye, on dira au peuple congolais de récupérer son pouvoir. Mais pour l'instant, peuple congolais, tala na misu, établissement tala na misu, bo tala ngo kaka spectacle, bo tala ngo loko la catch, bo tika bango ba boumana, to repè sa moutou kou de mette, parce que le pouvoir o ya zui, et sa pouvoir ya Martin Fayoulou. Et tu l'ombo suki a linga aide le congolais, il devait qu'a zwa kaka pouvoir wana, a zon ki la ngo Martin Fayoulou, de zon avant de koki. Le fait qu'il n'est pas prêt, ya zon ki la Martin Fayoulou pouvoir naye, avant d'en a pouvoir à Martin Fayoulou, a koufa na yengo. A koufa na yengo. Ne connais pas se voler la faceté, tu as la hypocrisie. Tu as la hypocrisie, tu restes ni tu l'as pourquoi, pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce qu'il est là, oh, il a rompu dit là-bas on a Kabila? Non. Qui sait ce qui oh bah ça est là-bas gêne là-bas. Pour la cause ça a besoin de matraquage psychologique pour détruire Martin Fayoulou. Parce qu'aujourd'hui il prépare 2023. Ils ont compris que Martin Fayoulou a une largeur d'avance en termes de popularité. Alors, il faut créer des situations, il y a crise moko artificielle pour leur permettre à jouer santé populaire, à la conquérir à Martin Fayoulou en 2023. C'est ça la réalité aussi. Tu crois qu'il n'y a qu'un raisonnement à penser unique qu'il y a un conflit à solo? Non. On peut aussi aller dans la discours d'aller conflit moko artificiel. Il a débauché les gens permettant de Katumbi. Il est dans une démarche moko à radicalisation de son discours. Il est dans une démarche à cause de la promesse électorale. Il est dans une démarche à séduction. Tout ça pourquoi? C'est pour se faire aimer auprès des Congolais pour que dans 2024, dans 2023, il y ait une posture moko et d'aller que à regagner ma popularité. C'est aussi un plan, c'est aussi un discours à tenir. On doit réfléchir dans la bonne façon dans ma sens wana. Lorsqu'il ne veut pas tout dialogue avec les tenants, les alliés, Bali, mon cabater dans la situation de crise institutionnelle, c'est parce que lui, il pense qu'à lui, il pense pas au Congo. Parce qu'il sait qu'il n'est pas en mesure, lui, tout seul, de gérer le pays, de rétablir l'ordre. Aïebi, que Yemoko, dans ma camoufle, dans la configuration, dans la lelo, il ne peut pas régner, il ne peut pas gouverner de manière sereine. Il a préféré faire les débauchages. Il a préféré fabriquer soi-disant union sacrée moko. Mais la logique na ye, combat na ye zali, a sali union sacrée wana, a zo bundisa Martin Fayoulou,
A sali union sacrée wana. Pona ko luka ko isolé Martin Fayulu. A sali union sacrée wana. A osa la ba discours ou a osa la ba gegero ba o créé artificiel. Pona ko luka ko créé ombre dans Martin Fayulu. Et nous, nous sommes en train de travailler. Mais hier, on a la logique tribale. Regarde son environnement. Regarde tous ses lieutenants. Regarde tous ceux qui sont autour de lui en train de travailler. Ce ne sont que les gens de sa tribu. Aza patriote. Aza la logique qui a été à nation. Il est dans une démarche tribale. Et une personne comme ça, oh yeah, dans sa configuration, dans son staff, dans le mode de travail, aza qu'on tout regarde sur la tribu. Il ne parle que de sa langue. Il ne parle que de sa tribu. Est-ce que Moutouya Bongo, yo Congolais, au soutenir rien, à la présence au Congo, Moutouyo, n'a comportement n'a bizarre l'inaïe, à la démarche tribale, à la conscience de Congolais, à la logique au Kaboula Batou. Non. Et lorsqu'on voit Martin Fayulu qui veut s'adresser à la population, il envoie des moyens de l'État. La police qui ne peut détruire, qui ne peut empêcher Martin Fayulu. Là, ce sont des actes politiques. Là, il est dans une démarche, Yako Luka, pour réduire Martin Fayulu, qui aujourd'hui a commis obstacle dans Bangui et surtout. Mais lorsqu'on voit Marc Kaboun en train de toucher, détruire, toucher par symbole de la République, on voit la même police qui a commis Martin Fayulu, accompagné de Marc Kaboun qui ne peut détruire. Ça! Et ça, vous avez la patriotité. Ça, nous avons soutenir l'été. Et nous allons continuer à marteler au mien, à notre peuple, il y a qu'on a la prison, il y a qu'on compte à la Chilomboté, botikaye, et ça, le kouta, et ça, le solo, babou, manabango, nabango. Soyez à Bajena Bango, botika bango, basse à Bajena Bango. Soyez à mon campé à solo, botika bango, babou, manabango. Bisso, il y a Bisso, na Martin Fayulu. Bisso, tout à la derrière Martin Fayulu, parce qu'il incarne la volonté populaire. Nous soutenons Martin Fayulu parce qu'il est le choix des peuples congolais. Et je pense que la légitimité au Martin Fayulu à Zanayango, Bisso, peuple, il faut protéger la légitimité. Yango Moni, Bisso, nous allons continuer à prêcher, nous allons continuer à demander au peuple congolais de rester fidèle dans le pouvoir légitime, dans le pouvoir populaire, aux actes incarnés par Martin Fayulu. Et c'est ça la réalité. Et il n'y a pas d'autre astuce, et il n'y a pas d'autre solution. Et là-dessus, par rapport à la crise, au point de vue, dans l'obika à Boye, le FCC, Boza responsable, il y a crise institutionnelle, oyoyo. Ma kamwe, zoko salama, ezali, na responsabilité, na bino. Et vous avez aussi la responsabilité de mettre terme à la crise aux Alikosala Malelo en commençant par détruire Mwana Bokrea qui tue l'ombo. C'est lui le dangereux. Mais c'est vous qui l'avez façonné. C'est vous qui l'avez donné le pouvoir. C'est vous qui l'avez donné le moyen pour agir, pour faire la bongo. Donc tout ce que tue l'ombo fait agit en votre nom. Parce que tue l'ombo a la émanation. Il y a Bino, il y a FCC, il y a pouvoir, il y a Kabila. Non, il vous appartient à vous. Il y a quoi l'ukaba cano, il y a quoi l'ukaba astuce, ou il y a quoi mais bien pour qu'on détruit Tulombo, qu'on détruit le système, qu'on détruit politique naïe. Sinon, vous serez responsable de ce qui adviendra demain à Katiambo Kawana. Donc, Nasukiawa, voilà, Manekonanga Ingeta Ingeta, on reviendra dans le week-end peut-être. Nous avons une grande réunion, réunion à Wakumba fédéré, samedi, le 12, à Paris. Na Port d'Orléans, na siège, na Bisso, pour travailler, tout ça, pour préparer conclave. Il y a ma force, il y a changement, il y a résistance dans la diaspora. Oh, tout ça, travailler sur, il y a qu'on préparer sur après Tulombo. Parce que après Tulombo, et Zali. Après Tulombo, et ça, là, très rapidement. Alors, il faut tout travailler après Tulombo. Il faut tout travailler na comment. Mboka vous allez construire comment mboka kotongama après Tulombo. Et pour travailler après Tulombo, tu vas la mukolo Tulombo au quoi tu peux pas travailler. Yango biso combat fédéré le 12 décembre samedi, c'est samedi na Paris na Port d'Orléans, na siège na biso to bana ba travaux na biso, ba travaux na et quoi mener biso na ko construire conclave na biso, conclave pour les changements. Conclave, il y a des démarches alternatives, où il y a mené Bisso, il y a fabriqué option, où il y a après Tulombo. Et la question, il y a après Tulombo, et ça, nous avons commencé à travailler sur l'après Tulombo. Nous, les combats fédérés, nous sommes en train de travailler, tous les bandits qui ont travaillé sur l'après Tulombo. Parce que l'après Tulombo, et Zali,
Après Chilombo, et qu'il y a comment? L'histoire nous dira dernier qu'il y a. Mais nous, on commence à travailler sur l'après Chilombo. Donc voilà. Donc, tu sais que la bande de Konabiso, on va faire un amateur à Koyoka Bayoka, on va l'ingi va participer dans les travaux. Il y a combat fédéré. On est allé le 12 décembre à Paris, à 14h30, à Port d'Orléans. Va contacter Bisson à Bakano Tozarana Yango, Zoro Bilel, Ipo Waiza, Sema Njembo, Yaya Jenny, Edi Menama, Bande Koto, Totana Bango, Bo contacter, Totala, Neni Toko travaille, Neni Toko Banda Ko apporter intelligence, Neni Toko Banda, Ko construire cet après-là, où vous allez fonder sur l'aspect politique, sur l'aspect militaire, sur les aspects culturels et scientifiques. Donc, nous allons travailler, Naba voler tout. Et sur la volée voie spirituelle aussi pour narota là ndenge nini de quoi avancer. Donc voilà, là to soutien wa maman Joyce na pesso mbote bandeko tous ensemble hein. Nous on est là, on travaille, toi la rata labo to bimaika mbang mbang parce que to monique spectacle et comment ça là un peu moi kozwa moi écho et fait to mbang mbang pour te rappeler bino un peu bandeko biso pour comprendre que J'ai aussi le mazak aussi la boko tangote, botika bango ba bomana. Et ça théâtre na bango na kabila, botika bango ba bomana, ba bomana, ba bomana. Oya ko boma moninga, bomi moninga. Ce qui moko akufi, ne biso to lobby. Et vous allez plus facile na biso to bunda, na mutu, moko ke to bunda na bango mi bale. Voilà. Ko boma neza physique, ko boma neza politique, et à chacun à interpréter na ndenge na ye, ingeta, ingeta, ingeta. Merci. Rendez-vous à samedi. Bisson se tourne à Port d'Orléans à partir de 14h30. Toko Zalawana, le 12 décembre, réunion mounene à combat fédéré. Tobandi ba travaux, toko kota na conclave, toko définir, toko kota na porter ce que vous travaillez sur l'après Chilombo. Donc voilà. To répéter ma kambouté. On avait dit, bon, bah, kota ki retard, bolanda vidéo, bolanda les débuts, bozoa, oh, bokozoa, ingeta, ingeta, merci.